Bonsoir, Madame Benamou. Madame Benamou, c'est Madame Benamou. Monsieur Coy, comment avez-vous pu? J'ai pas encore pu, Jean-Louis. Monsieur Coy, j'ai bien réfléchi. Je ne peux pas me prêter à de tels agissements. Monsieur et Madame Bonneau ne sont pas dans leur chambre. Porte de la fenêtre, monsieur Bonneau. Je crève de chaud, je prends l'air. Merci, merci, madame Bonneau. Merci beaucoup. Merci, ma chérie, n'en fais pas trop, s'il te plaît. Lavez-vous l'aide d'assister à la toute dernière répétition pour le bal annuel du PS. Ah oh. C'est ça. C'est ça. Reposez-vous, mon petit Jean-Louis. Reposez-vous. Vous et votre frère. Oh non, non, non. Bravo, mon petit Jean-Louis, vous avez été épatant. Ah, j'ai envie de vomir. Allez, viens. Tous les deux. C'est ça la surprise. Mais de quoi parlez-vous? Mais de toi et moi, ma grande brune. On ne peut pas laisser passer une telle chance. Une chance de quoi? De faire l'amour. Comme des dingues. Frénétiquement. Comme des chiens. Comme des chiens. Oui. L'amour, Madame Quick. La passion. Dingue. Jean-Louis. Oh, vous m'excitez depuis des années, Madame Quick. Oh, mais j'ai du mal à croire ce que je viens d'entendre. Je sais exactement ce que vous ressentez. Oh mon Dieu, vous êtes une vraie chaudière. Jean-Louis. Allez, ne lutte pas, Madame Quick. Ne lutte pas, ça sert à rien. Mais qui parle de lutter, Jean-Louis? Je comprends maintenant pourquoi vous avez toujours l'air aussi bête avec moi. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Avec ton sexe à pile, Morio. Ça ne sert à rien. Mais qui a envie de lutter, Jean-Louis? Fous-moi la paix. Non, Franck, tu ne vas faire ça. Tu ne vas pas. Tu vas voir ce que je vais lui mettre. Il ne va pas être déçu, mon salaud. Bravo, vous avez réveillé mon patient qui a l'enfer récupéré. Voilà le résultat. Oh, la ferme, docteur. Quel merdier!